Bonjour le live, on va continuer du coup le Resident Evil 7. Alors, j'ai le retour. Ok, niveau son, c'est ok. Let's go. Donc, attention. C'est quoi ces graphismes, hein? Je crois, hop, plein écran. Ouais, ça fait bien une diff. On la voit, hein. Et on continue. Donc on était sur le bateau. On a sauvé Zoé plutôt que... Je pense que c'est Zoé, hein. Zoé plutôt que notre femme. Enfin, je sais pas si du coup ça veut dire que techniquement il y a plusieurs fins ou si les deux choix reviennent au même. Ah oui, on vient de trouver l'arme. Ok. Je crois que j'avais tout pris dans la pièce, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai que 2 balles? Ah, c'est pas vraiment... Je pensais que ça allait être ok du coup, mais en fait pas du tout. Ok. Il est déjà trop tard pour nous, mais au moins je peux informer le monde de ce qui nous est arrivé ici. Comme j'étais de nuit hier, j'ai fait une sieste dans le dortoir vers midi. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu le rire d'une gamine. Peut-être que c'était dans ma tête. Je me suis levé à 19h30. Il y avait du grabuge dans le couloir. Drew, l'un de mes mécaniciens, est entré. Il a dit que quelque chose se passait en bas. Peut-être une mutinerie. Son visage était blême. Il a décidé d'aller voir, mais il n'est jamais revenu. Il devait être environ 19h50 quand j'ai entendu des hurlements. Je me suis rendu à la buanderie et j'ai vu Clark en train de se faire dévorer par une sorte de monstre tout noir. Cette chose s'est ensuite retournée et a commencé à venir dans ma direction, en faisant claquer ses énormes dents pointues, semblables à celles d'un requin. Et j'ai crié comme une fillette, et j'ai pris mes jambes à mon cou. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis recroquevillé dans le dortoir, avec la peur d'être dévoré à mon tour. Les couloirs sont déjà infestés de ces créatures, et il m'arrive encore d'entendre des hurlements, mais il est hors de question que je quitte ma cachette pour le moment. J'espère que quelqu'un trouvera cette lettre. Ok. Et alors? Ça m'aide pas ça. Mes pistes, des munitions. Jeannette, j'espère que tu vas bien. J'imagine que 6 mois se seront déjà écoulés lorsque tu liras cette lettre. La vie est si ennuyeuse ici. Tous les jours, c'est la même chose. La mer encore et toujours. Enfin, il y a tout de même un peu de nouveauté cette fois-ci. Nous avons des passagers à bord, ce qui n'arrive presque jamais. C'est un couple avec une petite fille. Je pense que ce sont des parents éloignés du capitaine. T'imagines, toi, voyager sur un pétrolier au lieu d'un navire de croisière? Ils doivent vraiment être fauchés. J'ai essayé de parler à la petite tout à l'heure, mais son père m'a jeté un regard glacial. Pourquoi est-il si méfiant? Aussi méfiant. Maintenant que j'y pense, il me semble que le capitaine a dit qu'il n'avait pas de famille. Peut-être que je m'en fais pour rien. Tu me manques, je t'aime, Jim. Mais... J'ai quoi? Ok. Ok. Ah, c'est des infos qui sont quand même bien cachées. Peut-être j'ai raté quelque chose. Ah, il y a ça aussi. Ah, mais je l'ai pas vu ça. Ah, mais j'ai. Bon. Ok, c'est vraiment pas mal en vrai. Sais pas trop combien de temps ça dure, mais. Je peux le mener.
Fusible universel. Et ça fait plus l'effet déjà. Ah si. Ok. Est-ce que c'est par là que je vais aller? Je sais pas. Un canon. Là, ça fait plus effet par contre. Ah, j'aurais peut-être pas dû en vrai. Timing, c'est chaud. Ah, ici je peux mettre ça du coup. Je peux direct me souvenir, ouais. Vas-y. Ok. C'est verrouillé d'autre côté. Mm-mm-mm. 3F. C'est lui? Regarde ça. Quoi? Pourquoi? Tu dois te souvenir. Comme ça, on pourrait être une famille. Ok. Bon, mais elle, c'est sûr qu'il y a un délire. Je crois que j'ai trouvé toutes les cassettes. J'ai eu un truc. Succès déverrouillé et rembobiné. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû l'infecter durant l'attaque. Lui, il a la montre. Trop tard pour moi. Mais moi aussi, non? C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute si elle s'est enfuie. Oui, c'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. Elle t'a pas attaqué? Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens, il contient des échantillons de ces tissus. Tu la retrouves? Tu répares tout ça. Allez, Evie. Où es-tu? Que... Division des opérations spéciales. D'après nos échanges nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de dérober Evelyn si celle-ci reste à son emplacement actuel. Vous êtes donc pour ordre de la transférer vers notre branche centra-américaine afin qu'elle soit placée en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de suivre les protocoles suivants. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyn afin de ne pas éveiller les soupçons. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vitaux d'Evelyn. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'élimination d'Evelyn. Ok. Et là-dedans, j'ai quoi? J'ai un. Ok, j'ai juste ça, les gars. Oh! C'est le bel outil. Elle est proche. Pourquoi c'est pas elle qui le dit? Là je m'éloigne. C'est pas grave, moi je peux trouver des trucs. Ok.
Y a pas eu. Ah si, y avait un F. Ouais. Ok. Je vais regarder y'a quoi par là. Ça c'est du G1. Ça m'a dit un truc monté. Monté. Quoi? Ah non. Ah ok, c'est verrouillé. Munitions. Tu vois, de l'autre côté. Ok. Elle vomit. Merde, je dois le réinitialiser. Comment ça se passe? Elle vomit une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Bon, il faut la trouver vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. Ok, je peux plus utiliser le... Ça, j'ai pas essayé de le... Oula. Ok. Bon, j'ai pas trop le choix, ouais. Là, c'est là où je suis. Ok, sous-sol 2. J'ai pas le choix. Ah, mais j'ai ça aussi. Ok, je pourrais prendre ça. Non? Ok, je peux pas. J'ai raté beaucoup de balles, mais je sais pas si j'aurais pas mieux fait d'économiser. Ok, ça, je pense que c'est bon. Allez, montre-moi ta bouille. Ça? Pas mal. Ah. C'est-à-dire que je vais devoir faire sauter des trucs. J'ai raté beaucoup de balles. Ah bon. J'aurais dû me rapprocher, hein. Ça sert à rien de tirer de loin comme ça. Bon, j'avais perdu une dizaine de balles en tout. Ok. Bon. Mais c'est nous qui allons tout faire péter, non? Ah, mais oui, ok, c'est elle qui se fait passer pour sa mère de base. Alan, je crois qu'elle est de l'autre côté de cette porte. Mais je n'ai pas la clé. Essaie de faire fondre la serrure.
niveau inférieur, c'est ça. Regarde dans nos affaires. Ok. Enfin, pouvoir faire fondre tout ça. Passer des portes. Oh. Forcément pas là, non? Ça n'y a pas d'autre choix. Non. Mais je vais aller où? Je vais remonter? Ok, genre. Ah, je l'avais pas vu. Elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan. Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evelyn. Ah. Ok. Si c'est tout en vrai. Ah non, deux. Mais non, mais ils sont morts, putain, j'ai raté trop de balles pour rien alors qu'ils étaient morts. Je me suis juste pas rendu compte. Ok. Du corrosif. Je pense que j'ai tout pris là. Ça c'est quoi? Bon, ah ok, c'est donc une vraie arme. Je pensais que c'était un truc de un objectif quoi. Ok. Non mais reviens. Elle va aller à un autre étage encore. Il va falloir que je trouve aussi un fusible après, je pense. Ok. Ouais, troisième étage. Vas-y. Ça va me tomber dessus, non? Système de verrouillage d'urgence okay. Activé. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir un truc qui va me tomber dessus là. 2F. Là, j'ai vu. Il m'a rien laissé lui. Oh, dommage. Mais il y avait pas ça tout à l'heure. C'est quoi ça encore?
Non mais l'étage il a changé. Alors faire attention à pas rater des trucs du coup, si l'étage il a changé. Côté. Putain, j'ai besoin d'un truc cosy pour deux bombes. Ah non, ici. Hein. Donc on est obligé de repasser par là-bas. Ça va me choper. Et rien, donc on va monter. En bas y'a rien. Bon, allons-y. Ok, 3F. Hein? Ah. Bon, il reste plus qu'un truc corrosif par contre. Je sais pas si je peux en fabriquer d'autres. Non, la vache. Comment es-tu arrivé ici? Oui, Evie. Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle se détériore. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Ne dis pas ça. Elle te fait confiance. Cette petite perce ne m'a jamais. Oh non! Attends! Evie, non, Evie! Et bah, c'est joué! Alan, je voulais pas, t'as fait comme ça! Elle Evie, essaie de prendre le contrôle! Non, je tu dois la combattre! Est-ce que je vous laisse? Mais c'est pourquoi elle, après, Zoé, elle l'emmène dans notre maison? Pourquoi elle la tue pas juste tout simplement? Evelyne, arrête! Arrête ça tout de suite! T'es pas là! Ah. Pas de chance. Ah mais elle aussi. Ah oui mais c'est vrai qu'elle elle a été contaminée. On l'a sauvée mais elle avait l'air d'être quand même bien consciente hein. Quand on l'a retrouvée dans la famille. Vraiment, comment elle s'en est sortie, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a quelqu'un derrière. Zoé, alors c'était elle. Reste à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Et sois heureux. Je croyais qu'on jouait Zoé. Tchèque. Ah. Toujours.
Moi j'ai du mal à... pas tout saisir quand même. Pourquoi elle a dit à Zoé, souviens-toi? Si c'est elle qui... bizarre. Parce que quand ils font partie de la famille, ils se souviennent de tout des autres personnes. Je sais pas. Partage la conscience. Tu te souviens maintenant? Oui, Evelyn. Je me souviens. Quoi? Est-ce qu'on peut être une famille comme avant? Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Ah mince. Mais du coup, je comprends pas trop. Donc là, depuis quand je suis arrivé sur le bateau, je joue la femme du héros. Pourquoi avant j'étais Zoé alors? Ah, c'est vrai que j'ai que ça. Ok. Bon, c'est un truc sur l'utilisation du sérum, du coup. Je peux pas encore voir ça. Ah, ok. Mmh. Il manque des trucs, hein. J'ai rien pour voir ça en fait. Peut-être j'ai raté des choses là-bas. Je sais sauvegarde. Là derrière, il y avait quoi? C'est rien. Je peux monter encore? Ah non. Ok. Et alors, comment elle est arrivée là? Ah, c'est vrai qu'elle a dit j'ai encore un truc à finir. C'était peut-être ça, hein. Mais comment elle est arrivée avant eux sur le bateau alors qu'eux ils sont pris le canoë ou je sais pas quoi? Je sais pas. Bizarre. Ok, là je suis derrière la serrure. Non? Ok. Il y a quoi là-dedans? Ok. Et de l'autre côté? Ah bah. Ok. Ça m'amènera ici. Donc là, je dirais que derrière moi, c'est le chemin normal. Ok. Toujours pas de. Ouch. Comment je peux avoir ça? Clé en croix. Plan du navire. Bah, faudrait que je redescende, non?
Il y a une porte que j'ai pas pu ouvrir tout à l'heure. Ah, je peux pas. Ok. Dommage. Ah, je peux. Peut-être. De toute façon, je dois redescendre par là, je crois. À un moment ou un autre. Vu qu'il y a un truc, bon, semi-codé, on a bien compris que ça parlait de... Hein ? Ça, à quoi ça, là ? Ah, je pensais que c'était la... l'autre façon de... d'ouvrir la porte. Mais non, ok. Hop. Bon. Du coup, continuons par là-bas. Ah. Non mais là y a rien. Ça j'ai ouvert. Bon bah continuons par là. Bah. Mais y'a rien là. Ok. J'ai une forte envie de faire sauter ça mais... Non. Ok. J'ai perdu 2 balles. Pour rien. Mais du coup à quoi ça me sert tout ça? Ça j'imagine que je peux pas l'utiliser non? Non. Qu'est-ce que je dois faire du coup maintenant? À part redescendre. J'aurais bien chopé mon arme quand même. Hein. Quel dommage. Surtout que j'ai gâché 2 balles. Ok. Bon bah. Faut y retourner alors. Faut retourner en arrière? Qu'est-ce que. Où est-ce que j'avais besoin de. Là j'ai besoin de ça. Alors. Là j'ai tout vu. Tout vu sauf ça. Ok. Ça c'était fermé. Ça il fallait ça. Bizarre. Je sais vraiment pas à quoi ça va me servir ça. Ok. Tu vas aller de l'autre côté. Ça me dit quoi mon objectif? Trouver la clé du truc du capitaine, ok. Ah peut-être c'est le truc avec des points d'interrogation. Tout en haut. Je suis peut-être redescendu pour rien. Hein. Ça on a déjà lu. J'avais peut-être raté des choses quand même ici. Hein.
Ah. Ah non. Non, y a rien là. Après, je pense pas que ça me demandait de descendre jusqu'ici. Hein. J'ai peut-être redescendu pour rien. Ok. Je vais déjà prendre ça. Il y en a un en haut. Je sais plus où. Où. Non, c'est ici. Ah, mais c'est là où il était de base, non? Je crois. Hein. De base, il était là. Et ça, je pense que j'ai quasiment tout pris. Ok. Ça me donnait accès à quoi là-bas? La cabine du... Je sais plus. Je suis où? C'est ici, c'est ce qu'il y a? Non, ça c'est la cabine. Ah mais c'est les escaliers que j'ai fermés. Okay. Non, bah faut que je le remette du coup. Prochain. Bah, j'ai raté quelque chose en haut alors. Hop. Deuxième étage, j'en ai déjà peu peur. Et là, juste, il y a un truc derrière ça ou. Non, c'est juste. Ok. Donc, c'est bien ici que doit y avoir un. Une clé quelque part que j'ai pas vu peut-être. Ah ça ça dit quoi? C'est un rapport de sujet la mode biologique à utiliser uniquement en détresse stimulant. Ok. Et ici j'ai pas raté un truc. Ça, ça sert à quoi exactement? Desserrer les écrous. Okay. Donc desserrer les écrous, ça marche pas là-dessus. Hein. On a dit non. Ok, bon bah. Sans doute tout en haut, quelque chose que je vais rater. Hein. Allons-y. Après, il fait vraiment noir en haut. Et j'ai pas le truc pour trouver les objets, donc ça c'est assez dommage. Je vais l'utiliser en bas, bon, ce qui est plutôt utile. Mais... Ok. Et du coup ici... J'ai bien tout vu déjà. Alors. Peut-être que ça marche ah. Encore. Ah, ok. Ethan. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ok. Niveau inférieur. Ouais, la porte avec du collier. Oh putain, la pute. Arrête ça, Evelyne. Ouais, il me faut mon... J'étais en train de réfléchir au... Putain d'hallucination. À la clé. Où est-elle? Ça me dit toujours de trouver la clé, mais... Je sais pas où c'est. Donc là on a dit c'est bloqué. Je peux pas agir dessus. Hein. Ah. Non. Ok, rien. Ça ce sera pour redescendre.
Il a pas laissé un indice quelque part, lui? Peut-être ça. Ça, c'est quoi en bas? Je sais pas. Ah, j'ai pas la clé. Ça m'a dit de le retrouver à l'étage inférieur, par contre, mais. Je vais encore redescendre? Bon, bah, allons-y. Hein. Peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau maintenant. J'ai toujours pas de corrosif, j'ai toujours pas de quoi ouvrir ça. C'est une vraie cata. Ah. Pas un canon. Ok. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des balles. Et c'est tout. Ok. Je me sors de tout ça. Non, je voulais faire la map. C'est comment la map? Là, c'est V. C'est une fois un truc, ça aussi. Ah, je peux pas me mettre quelque chose, ok, je pensais que peut-être... Et là en haut, j'ai l'impression d'avoir tout vérifié, non? Je sais pas. On va refaire le tour maintenant qu'on a eu l'info qu'il est sur le pont inférieur. Mais je sais pas où. Ça me dit toujours de trouver du corrosif. J'ai toujours pas la clé, j'ai... Ah, c'est là-dedans, non? Comment je fais pour descendre ici? Celle de jeu. J'ai toujours pas ça non plus. Ok... Je pense 100%, j'ai raté quelque chose. Enfin oui, c'est sûr, mais... Attends. Où est-ce qu'elles peuvent être ces clés? Est-ce que j'étais pas censé les trouver en bas? Où est-ce que j'ai vu un cadavre qui pourrait avoir des... Il y a ici, mais... Il a rien pour moi, lui. Hein. Ok. Aïe, toujours compliqué. J'arrête pas de me perdre dans les jeux. C'est la 2G1. Bon, mais c'est en haut alors. J'ai encore oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai pas vu en haut? Où est-ce qu'elles sont les clés? Si je pense, une fois que j'ai les clés, je suis tranquille. Hein. Claire. Ok. Alors, refaisons attention. Là, y a rien. Ça, je peux rien faire. Là-dedans? Non. Tout ici, y a rien.
Normalement, les objets de quête, on est censé les trouver sans trop se creuser la tête, je crois. Hein. Ouais, ça s'est dit, je suis passé 4 fois par la salle ici et. Il n'y a qu'à la fin que j'ai trouvé le. Le tiroir, donc je me dis. Bon. Peut-être que je suis allé trop vite. Peut-être à l'étage, hein. À l'étage, je suis allé tellement vite. C'est grand, mais il fait tellement noir que j'y vois que dalle, donc. C'est largement possible que j'ai raté quelque chose. Surtout que j'ai déjà les premières fois, j'ai raté des trucs. Donc bon. Ça s'arrête jamais. Ah, j'allais dire ça, c'est peut-être des clés, mais non. Même pas. Oh, bon, pas bien. Hein. Là, j'ai peut-être raté un truc. Je peux plus. Ok, là, il n'y a pas d'interaction. Là, il n'y a pas d'interaction. Pas d'interaction. Ici, c'est là où il fait grave noir. Parce que. Non, là, y'a rien. Et là. Y'a rien. Ok. Rien. J'ai pas bien fait ce côté-là, peut-être. Ah. Une bombe. Bah. Moi, y avait rien ici, du coup. Mais là, ça m'étonnerait. Là, j'ai fait. C'est vraiment... Ici. Dans cette pièce-là qui aurait le... Je vois pas. I'm lost. C'est sans doute ici, hein. Là où il fait clair. Je sais pas. Je suis censé voir là. On voit la porte avec du corrosif, j'ai pas de corrosif. Trouver la clé de l'armoire du fusil du capitaine. Ça a l'air d'être très secondaire, mais ça change rien au fait que j'ai pas de corrosif. Et que j'en aurais sans doute jamais. Ok. Où est-ce que je suis censé trouver du corrosif en vrai? Oh, par contre toi. Bah alors. Ça oui. Hein? Ah non, je peux bien faire ça, ok. Ça a rien aidé.
comprends pas bien l'intérêt de m'avoir dit que je pouvais poser une bombe au sol, du coup. Ok, écoutez. On va aller checker, parce que là, ça sert à rien de rester bloqué beaucoup plus que ça. Hein. C'est pas un problème de... genre énigme que j'ai pas compris, c'est... c'est juste pas quoi faire. C'est le jeu est pas très clair là-dessus. Alors. Le chien vient d'une maison, hangar, épave du navire. Blablabla. Ok. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Faites-toi. Bon, ressortir un peu de lumière. J'ai jamais vu ça. Attends. Où est-ce que je suis censé en être? Je pense que j'en suis à cet endroit-là, accroché. Allez forcer la porte de la cage pour Wiss. Attends. Montez à l'échelle de la cage. Laissez-vous tomber dans l'ouverture. Inspectez les images de Kien pour trouver Ethan. Dirigez-vous vers les escaliers du haut sud-est. Tirez sur Mister Everywhere. Sud-est pour récupérer le plan du navire avec la clé en croix. Eh, forcez pas. À l'échelle. Quoi? Utilisez la. J'ai un bois, pourquoi? Ça? Oh non! Oh. Ok. Franchement. Qui pouvait deviner ça? Ok, on va reprendre du coup. Non, vraiment, c'est... je sais pas trop comment on pouvait deviner ça. Louis, le câble est totalement grillé. On avait un de recharge. On a dû l'utiliser pour réparer quelque chose à l'infirmerie du troisième. Tu vas devoir demander au docteur Wedden. On a besoin de moi en bas de la salle des machines numéro 2, mais je peux pas descendre tant qu'on n'aura pas fait fonctionner ce machin. Ouais. Ok. Il manque un fusible. Il manque un câble. Ah, je peux descendre? Ok. J'ai déjà raté des mini. Quel plaisir. Alors, ça c'est sauvegarde, ça c'est... évidemment, j'avais rien. Peut-être si j'essaie des trucs dans le passé, j'avais des choses. Je sais pas bien comment ça marche. Ok. Ah, le corrosif. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de... non, mais on a déjà eu ça. Ok.
C'est verrouillé. Ah, ça, ça peut se fermer. Et ça, c'est ouvert maintenant. Je vais se mettre à l'endroit, c'est ça? Je sais pas. Ah, j'avais pas vu. Ok. Yes. Je vais se mettre comme de l'autre côté. Bon. J'ai beaucoup de corrosifs, donc je vais pouvoir tout visiter, je pense. Ça, c'est... J'y suis allé, ça? Non. Ok. Putain. Ok. Fuide. Ok, ça s'est fermé. Et j'imagine ici ce sera fermé aussi, non? Ah! Ok. Clé d'armoire du capitaine, ok. Donc ça, ça va rien de chercher quoi. Vraiment. On va remonter tout en haut. Hein. C'est. Ok, bon avant. On va remonter tout en haut. Je dis tout en haut, mais on est déjà presque. Hein. Alors déjà, je peux aller là. J'ai quoi okay. Ça, je vais pouvoir l'ouvrir. Putain. Ça a pas l'air ouf ici, hein. C'est vraiment nul, non? Il y avait rien? Ah, une bombe. Ok. Pas sûr que ça vaille le coup. Ok. Ah, j'ai pas vu ça. Ça, je vais pouvoir le récupérer. C'est le câble. Ok. Donc ça, c'était bien un chemin obligatoire, en fait. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. C'était pas du tout du bonus.
On va remonter quand même avant. Ah. Ceci dit, avec la clé de la cabine. Alors attends, déjà je peux faire ça, non? Merci. Ça a vraiment repop ces trucs de merde. Il faut ça avant. Sinon, ça va être un enfer. C'est pas ça? Ah, c'est ça, pardon. Besoin de rester, hein. Mais ça, c'est de gère, non? Un F, c'est là où j'étais au début du niveau. Ouais. Ah, elle est où la porte? C'est elle? Ok. Non. Vraiment? Ok. Enfin. Il me manque un... que j'ai pris là. Tiens. Je sais pas bien. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Il est où l'ascenseur? Ah. Ah oui, ok. Je comprends mieux. Bon. Déjà, on va se débarrasser de ça. Et l'autre? Ah, mais l'autre, il est là? Ok. J'ai oublié. De l'autre côté... les escaliers. Boum. Ok. Maintenant je peux l'utiliser là-bas. Hop. Alors. Ça, tranquille. Moi, c'est le moins deux, on est d'accord. Il attend. Non?
cru qu'il y avait quelqu'un. Ah. Il y avait bien. C'est pas, j'ai rarement utilisé les bombes en fait, à part quand j'étais vraiment sous munitions contre le. Contre le gros mob. Je sais pas pourquoi il m'en donne plein. Ah. Ok. Allez, montre-toi. Tu veux pas me montrer ma vie? Ok. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Tu Ethan. Ethan. Ok. Ethan. Ethan. Je sais. Je vais pas te faire du mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite. Ni mon fils, Lucas. Zoé non plus, évidemment. Alors? Cette fille, Evelyne. C'est elle qui a fait ça. Qui est... Mais c'est une vision, non? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. C'est ça qu'elle l'appelle. Je l'ai trouvé près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle? Non. Pas exactement, fils. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie de... Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne. Écoute. La petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête. Ok. Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. Evelyne, éloigne-toi de lui. Il ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Non. Ne lui fais pas de mal. Idiote, je te l'ai dit. Je ne lui ferai pas de mal.
Arrête ça. Quand je bouge, ça fait de la lumière. Petit point de lumineux. Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? Mia. On n'a pas le temps. Tiens, prends ça. Mia. Je ne pourrais pas résister. Mia. Beaucoup plus longtemps. Non. Mia, non. Non. Mia, non. 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 Tu le. Est-ce que tu as pris ton pied? Tu le. Salope! Comment je m'en fais? Ah, ok. Mais j'ai pas envie. Ok. Peut-être j'aurais pu la sauver alors. J'aurais peut-être dû la choisir. Rip. Rip Mia. Ok. Où tu te caches? Tiens, on s'approche de la fin du jeu, je pense. Hein. Il est éteint, petit neuf. Non, ça c'est pas de gère, non. Ah, je peux pas aller au-dessus. Je vais forcément dessus. Ok. Il reste ce petit frère, non. Je suis pas vraiment battu contre lui encore. Mince. Il y a eu un éboulement dans la mine Patterson. Twain et Beckford sont morts. Et Oxen ne pourra plus jamais remarcher. Le vieux Stan avait raison et ça est trop instable là-bas. La compagnie ne va pas nous envoyer de remplaçants. Ils préfèrent me faire bosser deux fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Mine de sel. Qu'est-ce qu'ils nous observent depuis cet hélicoptère? Alpha 1 ici, bravo 1, vous me recevez? Ici Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose? On a fouillé la résidence des Baker. Aucun survivant. Je répète, aucun survivant. Donc là, j'ai tous les trucs de Mia, donc ça c'est pas mal. Vivant, on a trouvé des traces de lutte. Evelyn? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un œil. Bien sûr. On vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyn, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la. Je peux pas mettre ça dedans? Ah non, ok. Ça, c'est quoi ça? Couteau payant, couteau de...
sais pas trop s'il y a une différence. Ok. Il est où mon pistolet? Ça va, j'ai beaucoup de balles pour le pistolet, non? Et là derrière, du coup, c'est quoi? Stéroïde, le flingue? Je vais le finir lui, hein. J'espère juste qu'il peut remplacer le pistolet avec les mêmes munitions. Sache. On peut l'enlever, hop. Quoi? Ah. Après, de toute façon, j'ai pas besoin de ça. Hein. Vraiment MDR. Ah, c'est vraiment nul alors. C'est ce que je craignais en fait, c'est... Ils te mettent un super pistolet, mais bon. T'as que 4 balles quoi. Donc pas sûr que ce soit au petit de fou. Le changer à moins que je trouve des munitions. Bon, ça me sert pas à grand chose. Hein. J'avais l'autre truc avec pouvant être amélioré avec un kit, mais pas trouvé le kit donc ok. Ah bon, c'est 4 balles. Hein. Au moins, j'ai pu utiliser 4 balles quoi. Corrosif, agent de séparation. Je sais pas non plus à quoi sert l'agent de séparation. Du coup, il est où mon pistolet? Ok, il est là. Et je vais prendre des missions hein, du coup. Hop. Là ça me fait beaucoup de munitions, c'est plutôt bien. Mais je sais pas si on est vraiment proche de la fin du jeu ou s'il reste encore une bonne heure. Je sais que je crois que c'est le dernier niveau. Vu que tout à l'heure quand j'ai regardé la suite, j'ai vu où on en était dans le jeu à peu près. Ah merde. C'est pas parce que j'ai beaucoup de munitions que je peux me permettre d'autant en gâcher quoi. Okay. Ah non. Ah, je pensais qu'il était mort, ok. Ma faute. Ah ouais, carrément. Bon. Et ça fait deux fois que je l'ai tué par contre, non? C'était des nouveaux. Ah ouais. J'ai quand même juste checké où on en est parce que suivant ce qu'il reste à faire, on s'arrête là. Alors, c'est... Ça a l'air assez court, je dirais. Je pense qu'on est sur une bonne demi-heure, quoi.
peut-être. Alors, je peux prendre un autre truc. Prendre ça. Il y avait quoi là? Ah, j'ai pas cette passe. Ouais, hop. On verra après. Après j'ai beaucoup de balles, donc je pense pas trop un souci pour le moment. On s'approche vraiment de la fin. Allez. Comme ça on conclut ça ce soir, on met tout sur YouTube. Bang. Ah. Okay. Là. Okay. Ah, il y a encore lui. Le retour. Je vais pas prendre de risque là. Ah merde. Ça commence à être vraiment compliqué à tuer par contre. Ok. Et j'ai encore le plus ou oui, c'est bon. Donc je vais pouvoir prendre ça aussi. Let's go. Faut que je fasse gaffe. Aux mines. Mais Zoé elle est morte alors aussi. Si je l'ai vu dans mon rêve comme le père qui est mort. Oh. Ok. Allez, allez, allez. Ouais, y'a quoi là derrière? Y'a rien. Ok, ok.
Ça s'est explosé par contre. Mais c'est vrai, pas de cadeau dedans non plus. Ah c'est ça. Ah ça vous savez environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais on en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous contrôle par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé, c'est un peu à chier. Cette classe de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. La tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre âme biologique laisse sérieusement à désirer. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas. Mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence de Davy. Sa peau devient toute ridée et commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est vieillissé à vitesse grand V. Ok. De quoi me heal. Ça sent le boss, non? Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie se développe à l'intérieur de la série E infecte qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E. Venez, si après comme moisissure. La moisissure se propage en ingérant les nutriments principaux dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors constaté que les membres amputés ont repoussé en quelques minutes. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'autre perd tout sens de l'ego. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre en forme humaine. La mutation physique varie d'un individu à l'autre. Mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Ok. Cinq minutes après une session en remission. 10 minutes d'essai. Classification. Ah. Détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'armes biologiques de la série E. Utilisez uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation pour se faire passer un échantillon de cellules de série. Ok. Neurotoxie. Débuté en 2000 avec le soutien technologique de HCF, ce projet fait partie d'un nombreux concept de l'initiative MexBass. De la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NexBass a ensuite été mise de côté et toutes les ressources seraient dirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs, réduisant de manière significative les coûts, seulement liés aux armes mais aussi au combat. En tant que tel, il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré et même l'organisation de ce projet n'aura jamais vu le jour sans découverte à deux espèces vicariantes de fungus remarquablement avancées que l'on appelle communément mutamycètes. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome du mutamycète d'un embryon d'humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité.
d'inexploitable ou défectueuse, série A, A, E, D, jusqu'à série exemple, jusqu'à série E, exemple de défaut. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle de petites filles âgées d'une dizaine d'années, et ce, pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Le premier spécimen de la série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter le du mutamycène à volonté via ses tissus. Il est également à signaler que le mutamycène d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable au auto-inducteur impliqué dans le quorum sensing chez les bactéries type Pseudomonas. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases, la première se manifestant par des hallucinations. Peu après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de l'accompagner ou de l'aide. Mais à mesure que le temps passe, ses demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'auto-mutiler ou à agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycène gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit... Ok. Allez. Encore ? Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium. Le terme organisme est utilisé ici dans son acceptation étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à moindre agression. La résistance caractéristique du fungus couplée à une force extraordinaire confère un important potentiel de combat, cherchant à appeler ces organismes mycomorphes. Lors d'une recherche pour un traitement contre une infection accidentelle, il est observé qu'une sur des prélèvements de tissus d'Evelyn permet de produire un sérum fongique unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Soit dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté plutôt que sa guérison. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à... Les effets sont alors décuplés à l'extrême, au point de devenir un mélange qu'on appelle nécrotoxine E, capable de, et ce même à petite dose. En outre, il est intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn par la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il soit plus facile de se former dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif et à s'accroître sur son captivité, un manque que seuls des parents sont en mesure de combler. Ok. Ah. C'est quoi ça? Ah, des bombes. Ah, je pense tous les trucs qui sont inutiles. Ça part. Ok. On part là-dessus, non? De toute façon, je sais quoi d'autre qui pourrait être utilisé. Ah. Let's go. Je pense que c'est bon. Et on sauvegarde, du coup. Avant d'aller... affronter le boss, à mon avis. Ou pas. Non, on peut encore trouver des trucs, ok. Elle est là.
Il va me faire peur encore. Bleh. Ouais. Ils sont vraiment de plus en plus solides. Après, j'aurais peut-être pu partir sans les tuer, mais. Mais ça va être craindre le pire pour le boss de fin, quand même. J'ai beaucoup de munitions, je pense que c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est ma vie, quoi. Parce que pour le coup, j'ai pris plus de munitions que de vie. Quand même 3 balles dans la tête et une dans le bras. Avant, je crois que ça suffisait. Hein. Juste les 2 balles dans la tête avec l'amélioration. Ok. Ok, juste ces 3 balles dans la tête, ça suffit en vrai. Mais j'ai des petits freezes quand même. Mais non, mais c'est ça que je voulais prendre moi. Ok. Ce serait bien que je trouve des trucs pour mêler. Hein. Après, je suis toujours en vert. Mais bon, ce serait bien qu'on en finisse aussi, un peu pour tous. Ok. Que ça va se passer comme ça. Let's go. Ok.
Solide quand même. Tiens. So. Munitions. Encore. Ça. Allez. Si on peut finir, je sais rien. Please. Ah, ça, ça sent le boss, hein. Enfin, ça fait 10 minutes que je dis ça, hein. Un quart d'heure même. Ah, mais là, si, oui. Ça, c'est forcément le boss. Quand t'as un truc comme ça. Hop. Ah, j'ai sauté une sauvegarde, mais c'est pas grave. Genre, les sauvegardes comme ça. Ah, on revient dans la maison. Et c'est la mémé. C'est elle. Ok, ouais. C'est elle, la... Evelyn, c'est la mémé. Non. Elle est plus là. Elle est plus là, elle a disparu. C'est ça la révélation, hein, je pense. Ah, moi, je l'avais pas vu venir. Tout est de ta faute. Pourquoi je vois tout ça? Par contre, ouais, pourquoi je vois tout ça? Ethan, ça va aller. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser. Tue-le, maman. Mais t'aurais pas dû faire ça! Ça fait putain de mal! Il ne veut pas être mon père. Eh bien, qu'il meure. Maintenant, c'est au tour de maman de te tuer. Quoi? Emilia, elle est morte? Donc la vieille. Tu vas devenir l'un d'entre nous. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Je ne joue pas. Non! Éloigne ça de moi! Lève-toi, ta pitié! Est-ce que je vais la tuer? Tiens, j'aurais pas de tirer, hein. Quoi, peut-être que si, hein. Je sais pas trop, je pense. J'ai peut-être tué, hein, le tir en dessous. Ok. Là, là ouais, il est déjà beaucoup plus adulte. Ah non. Ok. Non,
Ah, c'était pas la vieille alors. Mais du coup, je... Ah si. Ok, got it. Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste? Ah ouais, elle était pas mal la révélation. De toute façon, elle est morte, non? Tu n'es qu'un petit garçon. Mais ouais, je peux rien faire de toute façon, non? Mais... Je voulais juste une famille. J'essaie de me heal, mais... Ah. Grenade d'élevé, plus qu'un souvenir, t'avoir dans le bayou. Ok. Trois succès, du coup. J'ai hâte de rentrer, finir ce travail de babysitting.
Adieu. Hop, nurse. Mais du coup, je pense que c'est pas la trou 1, non. Parce que j'ai vu, j'avais dit, il y a quelqu'un qui a eu un quand une porte succès trending dans Steam, donc Une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Et Baker l'était aussi. C'est cette chose, Evelyn, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, Evelyn n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia une première fois. Mais il a fallu que je la perde à nouveau. Et pour moi, désormais, toutes les portes sont fermées. Ok. C'est une page générique, ça. Ah non, c'est bon. Je sais pas si on doit la passer. Après, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. C'est très long. Ok. 6h39. Partir recommencer 15. Mystère everywhere. Ah, on peut avoir 18 pièces antiques. Ah, j'ai raté 4 fichiers. Stabilisateur, stéroïde. Accès au corps 61. Normal. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi le live. Goodbye YouTube. Et on reprendra les lives bientôt. On verra sur le 8 du coup. C'est normalement je l'ai. Bye.